Avertissement pour les fragiles, cette vidéo contient de l'humour noir. Susceptible de heurter la sensibilité des... Oh et puis merde! Ah, ils font chier ces fragiles du 21ème siècle! Je te pisse dessus! Oye oye, les petits dragonnets du web, c'est Dragon Lord, votre youtubeur le moins bien référencé, le moins bien suivi, le moins bien soutenu de la galaxie. Et on est... de retour pour une nouvelle vidéo sur Dragon's Dogma 2! 2! Voilà, Dragon's Dogma 2! Mais là, j'ai fait la vraie fin du jeu. J'étais pas prêt. Je voulais pas vous spoil, forcément, mais j'étais pas prêt. Vous avez trois fins hein, du jeu, trois fins. Mais voilà, et depuis que voilà, j'ai arrivé là-dedans, hop, il m'affiche Dragon's Dogma 2. 2. Je suis là, tiens. Ah, c'est étonnant. Du coup, on va découvrir un peu ensemble ce nouveau monde. Parce que c'est un nouveau monde, le jeu, il est pas fini. Là, enfin, j'ai le rebondissement que j'attendais, en fait. Parce que là, c'est un peu... Si vous avez fait le premier, c'est un peu la fin du premier, quoi. Quand tu butes le dragon, c'est un peu... Ça devient l'apocalypse. Sauf que là, j'ai pas vraiment buté le dragon, ça, j'ai fait autrement. Apparemment, ouais, il faut faire autrement. Tu utilises le fléau divin, tout ça. L'espèce de lame... que tu utilises dans le 1 pour te suicider quand t'es le bon dieu, là, le sénéchal. Oui, parce que dans le 1, tu deviens dieu, donc je sais pas si dans celui-là, là, avec cette fin-là, tu vas vraiment devenir dieu aussi, je sais pas. Donc, chargé depuis le combat précédent. Retrouvaille. Trouvez votre pion. Ouais, je me disais bien aussi, moi je suis parti à l'exploration, parce que j'ai découvert ça hier soir, je me suis un petit peu baladé. Sans mon pion principal, du coup, je suis avec juste deux, on est trois, je suis juste avec deux pions de merde, là. Interagis pas avec ça, Kono. Je suis pas prêt. Avec la petite équipe que j'ai, et le peu de points de vie que j'ai, surtout, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Putain, par contre, tu farmes les pierres de les transpires là. Ça transpire. ça transpire. Ça, tu le farmes, ça, ouais. Alors, voilà. Alors là, j'ai un putain de dragon qui va me pop dans la gueule. Je suis pas prêt. Bon, tant pis, on va se TP. Et on va récupérer mon pion parce que j'ai là. Putain, mais depuis hier, j'ai mis mon pion. Alors, il est mort, il a disparu. Je l'ai plus. Regardez la carte. La carte, elle a complètement changé. Les océans, les mers, les rivières. Tout a séché. Par contre, j'ai peur que le reste de la map, tu vois, ça devienne comme un de ces jeux de merde là, de Fornic là, les Battle Royale. J'ai peur que la zone se réduise de jour en jour, tu vois, pour m'empêcher de tout explorer. Ça, j'ai peur que ce soit un peu chronométré, tu vois, ce genre de conneries. Parce que je dois aller, j'ai un boss là apparemment, parce que je suis allé, tiens, c'est quoi ces lumières rouges là, on y va, allez, vas-y, on y va. Là, j'ai un putain de dragon qui m'a pop dans la gueule, qui m'a soulevé malgré que je pèse 3 tonnes 5, c'était affreux. Et là, chez les elfes aussi, j'ai un autre truc de boss apparemment. Parce que j'ai... là, t'as Grand Soren qui vient de pop. Non, c'est pas ici, c'est là. Grand Soren. La cité du Dragon's Dogma 1. Si je vais dans système, que je fais revenir à l'écran titre. Regardez cette forteresse en ruine. C'est Grand Soren du premier jeu. C'est un bon gros clin d'œil. De toute façon, après, tu la découvres avant cette fin-là. Hein, la forteresse, tu la découvres à la fin du jeu, tout simplement. Hein. Tu fais sortir la forteresse de sous les océans. Sous l'océan. Et puis tu peux retrouver le hall de la salle du trône du 1, la tour de la duchesse là, que tu niques dans le 1, chargé depuis le combat précédent. Je me suis amusé voilà, à explorer un peu partout avec juste deux pions à la con. Il y a plein de morts vivants, il y a plein de monstres assez... c'est pas du Dark Horizon quand même, mais c'est du post-fin, quoi. Hein, du premier Dragon's Dogma, quand t'as le ciel. Le ciel, il est pas rouge dans le 1, il est plus bleuté foncé, tu vois. Un peu comme si c'était une tempête, tu vois. Bon, objet, je vais me TP en Irak, là. Ouais, bah oui. Et en plus, ils me foutent maintenant des portes cristal là où il y en avait pas, ces connards. Putain, du coup, j'ai des trucs doublés. Le bac à sable. Allez, le bac à battle, là. On va aller chercher notre pion, là, putain. Si j'allais pioncer un peu avant. On va voir si ça accélère le temps. Qui c'est qui m'offre des fleurs encore, là. Ragnal. Le Ragnal, c'est qui, ça, le Ragnal? On s'en bat la couille.
Ah, liqueur de triton, c'est maintenant que tu me refuses ça, toi. Connard. Alors que j'en avais besoin de 3 pour débloquer le conquérant. Fils de chien. Tiens, on va ranger mon merdier, là. Vas-y. Dormir jusqu'au matin. Ne pas dormir. Ça, c'est intéressant. Je peux pas dormir jusqu'au soir. C'est étonnant. Ne pas dormir. J'ai peur du noir, n'est-ce pas? Je regarde un petit peu là où ça se... Hein. Ouais. Ah bah ouais. Je vois un petit peu la limite. On va voir que si je dors jusqu'au matin... Est-ce que ça va me baiser la gueule? Maintenant... Ouais. Non, ça va. Ça n'a pas bougé là. Tant mieux. Bah tant mieux. Si ça n'a pas bougé, tant mieux. Si le jeu te laisse le temps d'explorer un peu ce que tu veux en mode apocalypse, c'est bien. Parce que il me semblait avoir lu quelque part que c'était quand même à temps limité. Peut-être que ça dure que 2-3 jours. Hein. Et après, la map commence à se réduire. On se croirait à l'Irak. Je vais faire la guerre à l'Irak. Et donc ça, c'est la vraie fin du jeu. Hein. Et ben là, je suis pas déçu, enfin. Là, enfin, on a un rebondissement, sauf que bon, ce qui me déçoit, c'est que j'ai pas pu affronter le dragon, quoi. T'es obligé de le défoncer quand t'es sur son dos, sans vous en dire plus. C'est intéressant, ça, ce faisceau lumineux qui est juste là. J'ai mal à ma sciatique. Aïe, putain, c'est pas la bonne... Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? I am to inform you that Lord Phasus requests your presence. Ouais, Phasus, le phallus. Institut de recherche, hein. I care not. Ouais. Bah je veux mon pion, donc oui. Mais putain, mais on... J'aime pas les... à l'Arabie Saoudite. Je suis toujours perdu, moi, dans ces trucs-là. Il est où, le machin? J'ai même l'indicateur de quête qui apparaît au dernier moment, c'est saloperie. Eh ouais. Eh ouais. Ouais, fallait que je passe de l'autre côté, quoi. Ça me saoule. Et en passant par ici, y a pas moyen de rejoindre. Ben non, ni Koumouk, ni la morve. Allez, on va passer par là, tu vois. Oh, j'ai... Me fais plus ça, le perso. Je l'ai vu se suicider en direct, là. Ouais, on va passer par là. Faites place. Vous allez tous crever, de toute façon, donc faites place. Voilà. Le phallus, il est par là. Allez. Le phallus n'est pas là. C'est bien. C'est très très bien. Le phallus n'est pas là. Bon. Ah bah c'est là. Arisen, you yet live. Ah bah oui. Ah mon pion, il est tout caca. La pauvre créature. Évanouie en bord de route près de Battal. Reconnaissant qu'il s'agissait de votre pion, j'ai décidé de reprendre le pion de son ennemi. Pourquoi? T'es censé être mon ennemi, hein, je te rappelle. Que le pion de l'insurgé était peut-être la clé pour comprendre toute cette folie, ou la clé pour contrôler le dragon, hein, surtout. Vu que t'as pas réussi. Mm-hmm. Bah ouais, t'es pas l'insurgé, donc lui continue à faire la sieste. Pendant un mois, quoi. Ça se passe un mois après, la vache. Moi, je pensais que c'était 2-3 jours après, quoi. C'était... Non, un mois. Intérêt. Master. How long I've slept. Far too long, it seems. Un peu, oui. But worry not. Now that I'm awake, I shall follow wherever you lead. Ah ben voilà. Quête bleue. Ouais, parce que je cherchais partout dans les pierres de faille et tout. Mais putain, il y a un bug ou quoi? Mon pion, il se tépait plus sur moi. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'était lié à une quête. Bon. Eh ben, j'ai mon pion. Prioritairement activé, qu'est-ce qu'il me dit? Mener à bien l'évacuation. Donc il faut évacuer le monde. Parler aux dirigeants de chaque contrée visitée jusqu'à maintenant et mener-les au temple des profondeurs. Je vais changer de classe.
pour que ça aille un peu plus vite surtout. Parce que chevalier mage, c'est bien beau, mais la classe la plus puissante, selon moi, qu'est-ce qu'on veut encore ? Putain ! Ça c'est chiant, ça, les PNJ qui t'accostent comme ça, c'est relou. Mais bon, pour moi, la classe la plus puissante, ça reste l'archémage. L'archémage, putain, la compétence maîtresse, ça te one-shot des drakes la main dans le slip. Now that I think of it, I do seem to recall Lord Phasus lamenting that he be reduced to aiding you. But it matters. Both he and I are too rushed off our feet to care for such trivialities. Ouais, bah ta gueule. C'est pour me dire ça. Ouais, ta gueule. Ta gueule, voir. À remporter cette bataille, hein. Rejoignez-nous sur l'île volcanique. Ouais. Encore une quête, quoi. Pas que votre venue soit essentielle. Oui, je t'emmerde. Ouais. Bah, ferme ta gueule, voir. Saloperie. Je te pisse à l'arrêt, tête de fion. Alors, où est-ce que je bite là? Parce que moi l'Arabie Saoudite, je suis sur le bon chemin, on va dire. Je me perds tout le temps, moi. C'est bizarre, hein. Attends, mais c'est quoi ce faisceau lumineux juste là, en fait? Ouais, il était pas là tout à l'heure. Là, je vais avoir un monstre qui va me pop sur la gueule, c'est ça que ça veut dire. Carte. Hein? J'ai l'impression qu'il y en a qui se sont rajoutés parce que j'avais que ces deux-là au départ. On va changer de classe. Hein ? On va changer de classe avant d'interagir avec ce truc. Ouais, ouais. Examiner. Non. Je suis où ? Je sais plus où je bite. Par là. Qu'est-ce qui se passe encore ? Foutez-moi là ! T'es passé les bornes. Il y a pas mal de. Hein ? Sir Manella, you don't understand. This scoundrel's the one who started it. No, je m'en fous, moi. Je m'en fous. Blablabla, blablabla, je m'en fous. Non, c'est pour les escorter, je parie. Je suis sûr que ça va être pour ça. Donc moi, je m'en fous, moi. Je vais changer de classe. Je m'en fous. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule, j'ai dit. Changer de classe, putain de nom de Dieu. Putain de nom de Dieu. Prendre l'archémage, voilà. Voilà, aller à l'équipement, ouais, merci. Alors ça, c'est débile, ça, par contre. Hein. Comparé au 1, c'est vraiment débile. Dans le 1, tu pouvais avoir accès à ton coffre privé en changeant de classe. Comme ça, tu pouvais t'équiper. Là, je me retrouve à poil, quoi. C'est vraiment débile. Déposer, tiens, déposer les merdes que j'ai. Ça, je ne peux plus m'en servir. Ça, je ne peux plus m'en servir. Ça, je ne peux plus m'en servir. Cette cape, remarque, retirer, tac tac, je préfère cette cape là. Équipe, ouais, je préfère comme ça, tu vois, là, comme ça on voit l'épaulette. Ah mais là on voit le, ouais, tu me diras après. Lui au moins il me donne des résistances élémentaires. Allez hop. C'est ça. C'est une poule. C'est une poule qui tombe du ciel. Je sais. Qu'est-ce que c'est? Coq-coq. Coq-coq. Il me semble qu'il y a une tête de poule, ce truc. C'est quoi ça qui vient? Zez. XXX. You saw the sky fall, I trust. I doubt you could have missed it. Or merely postpone. I must examine that creature. It may well be the key to unraveling the origin. Créature, on dirait une statuette. Wow. Qu'est-ce que c'est? Many paths are closed to us now. Je crois qu'il s'est fait soulever l'autre là, le phallus. Faut arrêter les écrans noirs comme ça, en fait. D'avancer, il fallait s'y attendre. Ouais. Je vois qu'il y a des gobelins derrière moi, par contre. Monsters, summoned by that beast, no doubt.
Ouais, bon fou. Quoi, c'est tout? Je m'attendais à mieux, hein. C'est limite one shot tout le monde là. C'est quoi ce délire? Où est-ce qu'il va l'autre con? Non, moi je vais là, moi je vais voir. Je peux pas avant. Ah ouais, d'accord. Ouais, tu te fais soulever en fait, ouais. Même si tu pèses 3 tonnes 5, c'est pas grave. Hein. Tu te fais soulever. Ouais, bon, ça, on s'en fout. Oh, il y a des monstres incroyables. Hein. Ouf, merci les pions de faire quelque chose en fait dans votre vie. Hein. Votre pion, vous êtes censé m'aider, hein, pas regarder le paysage, bande de cons. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un soldat, ça. J'ai l'impression que mes pions ils servent un peu à rien. Hein. Ah, souvent l'IA elle est un peu aux fraises. Hein. Moi je trouve qu'elle est tout aussi con que dans le 1 l'IA. Ça a pas avancé, hein, même 12 ans après. Hein. Oui, regarde, j'ai mes pions là qui suivent même pas, qui sont là en mode. J'ai l'impression que le pion va s'effondrer. Bon, vous venez là ou vous faites chier un petit peu? Oh ben voilà, j'en étais sûr, je sentais le scénar là. Je sens que le pion va s'effondrer, voilà. A fine welcome indeed. I can only hope that the worst is now behind us. Ouais, mais j'ai mes pions de l'autre côté, du coup. Allez, adieu. Démerdez-vous pour me suivre. Ah ouais, je sais faire ça avec aussi avec mon sorcier. T'as plus de météores. Waouh. Ça va péter. Péter, lui fonce dedans. Toi bien. Crève, vous voir. Crève, si crève. Je te regarde. Voilà, les pions qui suivent quand même un petit peu. Oh putain, ça va péter là. Bon, l'autre con, il suit ou il merde en fait? Et... Oh putain. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon. Je voulais sauter en même temps. Et là, je balançais mon attaque ultime. Ça va? Vous êtes pédé? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il n'y a pas grand monde qui suit. Hein. Eh, mais l'autre connard, il est encore là-bas. Mais je vais le taper en fait. Je vais te soulever. Hein. Je te le dis. Hein. Je vais te soulever. Avance, Tarlouze. Putain, je sais même pas pourquoi je dois le suivre, ce con. Putain. Pourquoi vous rengainez vos armes en fait, bande de cons? Je sais pas, vous voyez pas qu'il y a des monstres en fait? Non mais là ils sont vraiment demeurés là, ils commencent à me saouler ces putains de pions de merde. Allez, cours plus vite, putain. Allez, ne t'arrête pas, je vais te soulever, putain. Bon. Il est où le phallus là? Ah. Ouais. Nicotin, vas-y, ouvre. Je peux avancer ou je peux aller me faire enculer ou quelque chose. Est-ce qu'on va avoir un boss à buter? Est-ce que lui il va se faire... Oh putain la vache. Inch'Allah. Oh bâtard, eh putain. Quelque chose là, les pions s'il vous plaît. Servait à quoi? Ah oui, à rien, j'avais oublié. Putain.
C'est une dinguerie. Avance, connard. Putain, mais ils se battent même pas. Je suis en train de délirer. Ils se battent même pas, ces connards. Oh là là. C'est moi qui fais tout le travail. Comment ça, il attend. Tiens, je soulève, toi. Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il se passe? Putain. J'en fais quoi de cette merde maintenant? Ouf. Ah oui, d'accord. À la cœur. À la cœur. Et j'ai tout cassé. Excusez-moi, j'ai trébuché. Ah, 30 cristaux. Oh, c'est bien ça. Oh, ça va farmer dur là, je vous le dis. Ah, on va farmer dur. C'est bon, ça y est. Et le phallus, il est mort ou... Still, it is easier said than done. But people may not believe us, even should we make... Vous avez vaincu la créature draconique. Ah oui, je l'ai grave vaincu, je l'ai soulevé. Je te l'ai soulevé, mon gars. Je te l'ai soulevé, le truc. Et tout va bien, tout va bien. Toi, là, je vais la dégager, je vais en foutre, foutre un sorcier, là. Quitter la faille. En parlant de pion à la con, si vous voulez recruter le mien, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, statut, vous recherchez par idée, hein, et l'idée de mon putain de pion de merde, il est là, voilà. Il y a aussi celui de Sylvain, de Dolgaroc. Il y a aussi celui de Dolgaroc, ouais, Sylvain, son perso. C'est celui-là, son idée. Voilà, si vous voulez rechercher par idée. Je sais pas pourquoi, c'est quoi cet effet de merde que j'ai là sur mon... Sur mon pion, là. Comme s'il était hein, sous effet engelure ou je ne sais quoi. Et là, c'est le pion de Dolgaroc. Voilà. Voilà les idées. Si ça peut vous donner une idée. Voilà. Voilà les idées. Alors, on va aller là, là où on était tout à l'heure, on va se TP à Vermont, Vernworth, Vermont. Bah, c'est Vermont, hein, de toute façon, hein, c'est la contrée du Vermont, hein, c'est comme en Amérique. Non, en fait, j'adore l'ambiance, là. Franchement, cette fin, elle est géniale. Foutez-moi le camp, je vous tape. Voilà. Est-ce que je suis passé pour le bon... De toute façon, il doit y avoir moyen de rejoindre la route là. Hein. Tu vas y arriver, Dargon, tu vas y arriver. Ce n'est qu'un crâne, tu vas y arriver. Je sais pas, des fois je passe par des trucs, tu me dis tiens, il y a peut-être un coffre caché. Bah en fait, non. En fait, non. T'as, voilà, tu peux passer par là, mais ça sert à rien. Bref. Et merde. non, parce que il m'en reste qu'une et j'ai pas envie de la gaspiller pour le dragon, tu vois. Enfin, je veux la gaspiller que pour le dragon, donc nick. Par contre, l'écran noir, tu vas. Qu'est-ce qui se passe? Je vous demande pardon. Pardon? Hein? What? Quoi? C'est quoi ce délire? Non, en fait. En fait, donc tu meurs une fois, c'est fin de la game, c'est ça? Me dis pas ça. Waouh. D'accord, tu peux pas recharger là. Je vais retourner à l'écran titre là parce que ça me paraît bien. Hein, vous me cassez les couilles. Oh putain, mais tu crèves, c'est la fin de la game quoi. Eh ben, je crois qu'on va devoir cheater. Hein. Je peux pas recommencer à la dernière sauvegarde, vous foutez de ma gueule. Mais non. Alors ça.
Ça, il commence à être bâtard un petit peu, les Nyakwe, là. Hein. Ça, pour un dégât de chute, hein, parce que je me disais, vas-y, je vais arriver à ça. Non, ben non. Il me faut la lévitation, tu vas crever. Et en plus, tu me fais recommencer de là. C'est la fin de la vidéo, voilà, merci d'avoir regardé. C'était Dragon's Dogma 2, Nikumuk. C'est bon, je vais péter un plomb, là. Ah, mais non, mais arrêtez, quoi. Salsifi. Non, mais salsifi, en vrai. Me baiser la gueule comme ça, mais c'est vraiment pas sympa. Hein. C'est pas gentil. Non. Non, mais c'est très... Très punitif. Ça, je m'y attendais absolument pas, là. C'est une dinguerie, en fait. Une dinguerie. C'est une putain de dinguerie. Hein. Non, parce que là, j'ai qu'une pierre d'éveil et ça va pas le faire. Si c'est ça pour toute la fin, non, ça va pas le faire. Quitte à me faire enculer, autant y aller jusqu'au trognon, hein. Commencer à un jour... du monde laissé pour compte. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Les données de sauvegarde suivantes seront perdues. Commencer à deux jours laissé pour compte. Continue. Non. J'ai dit à un jour, va te faire enculer. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Quitte à me faire enculer, autant y aller jusqu'au trognon. Parce que j'avais défoncé un Drake de merde qui m'a bouffé au moins deux, voire trois pierres d'éveil. Donc voilà, autant recommencer au début, histoire que j'essaie de préserver mes pierres d'éveil au max. Parce que voilà, hier soir j'ai exploré un petit peu, j'étais avec trois pions, enfin deux pions. Il me manquait mon pion principal. Dragon's Dogma 2. C'est là que tu t'affiches là, Dragon's Dogma 2. Attention. Voilà. Voilà, les trous du cul, pourquoi pas marquer le 2? Parce que le 2, il commence là, bande de cons. Hein, c'est très... Il y a pas mal de... Hein, c'est beaucoup de rebondissements. T'as vu la gueule de mon perso? Il fait peur. Je suis Dracula, le prince des ténèbres. Mais voilà, moi, ça te prolonge le jeu, quoi, cette fin-là. Ça te prolonge au taquet le jeu. Pas comme l'autre fin où tu butes le dragon, la fin normale pour moi, c'était la fin normale où tu butes le dragon et puis voilà, puis fin de la game. Alors que dans le 1, tu butais le dragon et puis tu avais ce genre d'événement qui se produisait après quoi. Mais t'avais quand même ton affrontement avec le dragon. Là, t'es obligé de le zapper, l'affrontement avec le dragon. T'es obligé de faire une action pour casser le cycle quoi. Et là, c'est Gran Soren, la cité du premier jeu Dragon's Dogma. Il faut aller là-bas. Et puis apparemment, il faut que j'évacue tout le monde là-bas aussi. Bon, écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, le Dragon's Dogma 2, le véritable Dragon's Dogma 2, il est maintenant. C'est à la fin du jeu que tu as le 2. Voilà, mon pion principal, il est grisé. Ouais, mais en plus, j'ai ma facecam là devant, donc vous voyez pas. Hop. Voilà, mon pion principal, il est grisé, faut que j'aille le chercher. Et moi, comme un con, je suis allé me balader avec juste deux pions comme ça. Là, je suis allé me balader comme ça, sans mon pion principal, tu vois. Enfin, bref. Là, on va aller faire les choses plus calmement. Hein. On va faire, là, j'ai trois pierres d'éveil. Voilà, on va essayer de les, hein, de les garder. Hein, voilà, les conserver. Jette-moi ça. Truc pourri là, casse les couilles. Bon, voilà. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker, commenter, partager, vous y désabonner. Et on... Le griffon. Qui c'est qui m'attaque déjà là? Oh, ça va ouais, putain, j'ai même pas le temps de finir ma vidéo là. Je vais te défoncer la gueule. Shadow of Mordor, enculé. Tiens. Voilà. Non mais... C'est fini, oui. Ah putain, y'a un dragon juste là, quoi. Oh, arrêtez. Je suis pas prêt. Bon, bref. Cliquette bleue. Okay.
simplement, on s'en fout si t'es pas content. Pour 5 secondes d'ayant droit, on prend tout et ferme-la. On prend tout et ferme-la.